Madiana, salam alaikum, salam alaikum. Bon, ce matin-là, je suis là pour vous informer sur deux sujets. Le premier cas, c'est le cas de mes frères, 10 frères séquestrés à la maison centrale. Avant qu'on arrête un officier, commandant Ali Camara est un officier. Avant qu'on arrête Ali Camara, normalement, le code statut des militaires, il faut que Mamadi Doumbouya donne son autorisation avant qu'on arrête un officier ou un militaire. Mais je vais vous rappeler un peu ce que les mots prononcés par Bala Samora. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ça la réalité. Bala n'a pas menti, mais nous, la population, on n'a pas compris. Mais c'est ce qui est sur la nation guinéenne aujourd'hui. Bala Samora nous a bien dit un temps que la transition n'est pas là pour respecter la loi, mais la transition respecte l'ordre. Mais la transition ne respecte pas la loi. La transition respecte l'ordre. Ça, c'est dit de Bala Samora, que la nation guinéenne peut témoigner. Bon, selon l'article 191, 192, 1235 et 311 code de procédure pénale, commandant Ali, rien ne prouve que commandant Ali et ses amis-là doivent être en prison. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Qui est le plaignant? Qui a donné l'ordre les 6 mois, quelques jours-là, à ce que les 6 mois, quelques jours-là, que mes frères, 10 frères séquestrés traversent l'accusation et beaucoup de souffrances en prison. L'ordre là vient de qui? Qui est le plaignant? Qui est le plaignant? Ismaël Guignola Souma. Bonjour, salam alaikum. Qui est le plaignant dans l'affaire là? Pourtant, selon selon leur papier, je vais chercher tout à exposer sur le Facebook. Parce que le jour que Mamadi Doumbouya a fait la première déclaration de la CNRD, ça n'a pas passé d'abord sur la radio guinéenne, sur la RTG. La première déclaration après le coup d'État du 5 septembre l'an 2021, ça a passé d'abord sur le Facebook, sur le média. Sur Facebook, leur première déclaration, Mamadi a fait ça sur Facebook. Et j'ai toujours signalé ça. Donc, Facebook, nous aussi, on a notre pouvoir. C'est les Américains qui nous ont donné le pouvoir là. Donc, c'est le même Mamadi qui n'a pas signé de déposer commandant Ali Baba Ali Camara à la gendarmerie, mais le même Mamadi Doumbouya qui a appelé Ali Camara en lui disant d'aller se voir avec Bala Samora. C'est le même Mamadi Doumbouya qui a fait. C'est le même Mamadi Doumbouya qui a fait. Donc, Ali s'est présenté. Il a trouvé qu'ils ont entouré la gendarmerie par combien de pick-up pour arrêter une seule tête. Ils ont fait rappel une fois, deux fois. Le dernier jour même, et l'autre fois, quand ils sont allés à la chambre,
ils ont dit à Charles Wright, le procureur de la République, parquet, on lui a dit de venir, de faire venir Mokhtar Kabas Kartapus, Sidiki Traoré et Bill. Les 40 millions qu'on dit tout le temps, les 40 millions qui fait crier tout le monde, c'est le même Mamadi qui a donné l'ordre à capitaine Souleymane Camara de prendre l'argent là et donner 40 millions à tout le monde. Pendant que Kartapus Kaba a reçu main à main de Mamadi Doumbouya. Billy a reçu 40 millions avec Mamadi Doumbouya. Sidiki Traoré a reçu 40 millions avec Mamadi Doumbouya main à main. Mais pourquoi Mamadi Doumbouya n'a pas accepté à ce que Charles Wright dépose quand ils ont inculpé Billy et Kartapus Mokhtar Kaba et Sidiki Traoré? Ils ont donné le papier, l'ordre, le juge a donné ça à Charles Wright de faire venir les trois inculpés là. Parce que c'est Mamadi qui a donné l'ordre à ce que toute la force spéciale reçoit les 40 millions, 40 millions. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Maintenant, lui-même a pris les 40 millions, 40 millions, 40 millions donnés à Kartapus main à main, donnés à Billy, donnés à Sidiki Traoré. C'est Mamadi Doumbouya qui l'a fait. Mais il l'a refusé quand on a donné le papier, l'ordre à Alphonse Charles Wright, le procureur, de faire venir les trois inculpés là. Charles Wright n'a jamais fait venir parce que Mamadi n'a pas donné l'ordre. Il n'a jamais fait. Charles Wright préfère souffrir ses frères. C'est Charles Wright qui a fait ça. Charles Wright est la couverture de Mamadi Doumbouya pour la souffrance des 10 séquestrés qui sont à la maison centrale. C'est Charles Wright qui l'a fait. Sinon, quand le juge prend une décision, qu'est-ce que le parquet fait? Le procureur doit exécuter. La deuxième fois, quand ils ont passé à la cour d'appel, Charles Wright ne s'est pas présenté. Il voulait même insister, mais il n'avait pas d'argument. Il n'avait pas d'argument. Charles Wright n'avait pas d'argument. Qu'est-ce que Charles Wright veut en tant que jeune? Pourquoi Charles Wright est là à briser, à piétiner 10 familles jusqu'à ce qu'il aille dire que Kartapus, Mokhtar Kaba et Billy et Sidiki Traoré n'ont pas droit de venir là-bas parce qu'eux, ils sont des pères de famille. Souleymane n'est pas père de famille. Morikawa n'est pas père de famille. Baba Ali Kamara n'est pas père de famille. PV même qu'ils ont monté contre Morikawa et commandant Baba Ali Kamara est vide parce qu'ils n'ont pas signé leur procès verbal. Ils n'ont pas signé. Quand on auditionne quelqu'un, l'intéressé dit oui, j'ai fait ça, ou bien ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Après tout, l'intéressé doit signer. Il doit signer. Mais ça n'a pas été signé par commandant Ali. Ça n'a pas été signé par Morikawa. Voilà des fautes graves. Raison pour laquelle tous ceux qui disent ailleurs et à l'intérieur qu'il n'y a pas de loi en Guinée, je vous demande de rectifier nos langages. Il y a la loi en Guinée. Il y a la loi en Guinée. Mais c'est Mamadi Doumbouya qui veut piétiner tout. C'est Mamadi Doumbouya qui veut piétiner, qui veut bétonner sa dictature, même sur notre justice. C'est Mamadi Doumbouya. Leur mensonge flagrant
que docteur commandant Ali Camara a pris l'ordinateur à Cerro Touréa, il a pris 3 bouteilles de vin. Ali Camara, le commandant Baba Ali Camara ne boit pas, il ne fume pas, il se drogue pas. Il porte un sang sain. Il a son sang sain. Il ne boit pas, il ne fume pas, il se drogue pas. Mamadi Doumbouya a témoigné, il le connaît. Ali a besoin de quoi? Pourquoi Ali prend les... Ali touche à les bouteilles de vin dans la chambre d'Alpha Condé. Je vous ai sciemment dit ici, mes frères sont séquestrés par Mamadi Doumbouya. Par Mamadi Doumbouya. La loi est en Guinée. Tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas la loi en Guinée, il y a la loi en Guinée. Sinon, le jugement que notre juge a fait, elle est croyante. Sinon, elle aussi, elle pouvait faire comme Alphonse Charles Wright l'a fait. Mais ce que je vais dire à Charles Wright, qu'il doit comprendre, qui s'attendait aujourd'hui que le premier ministre, ex-premier ministre, allait être à la maison centrale. Personne ne s'attendait à ça. Donc, Charles Wright, tu dois tirer leçon à ça. Tu dois beaucoup réfléchir. Tu dois comprendre aujourd'hui tu es en haut. Demain, tu peux tomber. Prends la leçon sur l'ex-premier ministre. Et là, Ibrahima Kassour Fofana, qui était là, avec Alpha Condé. Tu ne pensais pas, je ne le pensais pas. Si l'ex-premier ministre, notre frère, allait être à la maison centrale aujourd'hui, si l'ex-ministre de la Défense, Dr Diané, allait être dormir dans la maison centrale, ça, c'est une leçon pour toi à tirer. Le procureur Alphonse Charles Wright. Oui. Le jugement est fini. La nation guinéenne, le jugement est fini. Pour les 10 séquestrés de Mamadi. Leur jugement est fini. Ils ont fait rappel 2 fois. Ça n'a pas eu marché. Ça n'a pas marché leur argument. Ils ont juste séquestré mes frères. Pas d'argument. Le dernier jugement est fini. Ils ont retourné encore tous les dossiers à la justice militaire. De donner à leur juge, de remettre au parquet. Au parquet qui est là-bas, c'est Charles Wright d'exécuter. Quand le juge trace un dossier, le procureur doit exécuter. C'est ça son devoir. Il ne doit pas demander un autre appel. Il ne devrait même pas le faire. C'est ce que Charles Wright l'a fait. Quand le procureur fait un jugement, quel est ton rôle, toi ? Procureur, après la décision prise par le juge, ton devoir c'est d'exécuter. C'est ça Charles Wright. Mais je t'ai souvent dit ici, j'ai dit tu es un cible de Mamadi Doumbouya. Mais réfléchis aujourd'hui ce que je te dis. Personne ne pensait que l'ex-premier ministre, Elhadj Ibrahima Kassour Fofana, et l'ex-homme brillant de notre pays, le chat noir milliardaire, Mamadi Diané, Mohamed Diané, personne ne savait si les gens là allaient passer une nuit à la maison centrale. Prends leçon sur ça. Il faut prendre leçon sur les gens-là. Charles Wright. Maintenant, le jugement est fini. Les 10 séquestrés
Ils sont heureux par la justice. Mes frères sont heureux par la justice. Qu'est-ce que nous attendons pour leur libération? La décision prise par la Chambre, encore retournée au juge que Charles Wright arrive à exécuter. Maintenant, si nos frères continuent maintenant à rester à la maison centrale, c'est Mamadi Doumbouya et Charles Wright. Mais non, on ne verra pas Mamadi Doumbouya. La nation guinéenne verra toi, Charles Wright. Donc, je vous mets en place, à votre place. Ali ne boit pas, il ne fume pas, il ne se drogue pas. Mamadi est témoin de ça. Parce que quand ils étaient à Kalea là-bas, Mamadi a aménagé une place là-bas, là où tous les fumeurs de chambre indien et cocaïne restent pour fumer. Mais Ali ne fume pas, il ne se drogue pas, il ne boit pas. Leur argument malsain monté, tout est vide. Ça fait longtemps, depuis le mois de décembre, le juge a dit que ça c'est un dossier vide. Normalement, selon les codes là que je vous ai cités, article 191, 192 et 1235 et article 311 ne permet pas commandant Babari Camara de rester à la maison centrale. C'est ça. Donc leur sortie maintenant, c'est à Charles Wright. Comme la dernière fois, il a dit que personne ne doit être libéré sans son avis. Oui, il n'a même pas besoin de dire ça. Quand le juge prend une décision, il fait un jugement, qu'est-ce que Charles Wright, lui, doit faire? C'est juste pour exécuter. Maintenant, on attend Charles Wright pour exécuter le jugement fait du cours de militaire, justice militaire. Maintenant, le chapeau, c'est à toi de porter ou de te décentraliser pour voir toi aussi qui est derrière toi, toi Charles Wright. Mais pour le moment, c'est toi. Et ce que je veux vous dire, moi je suis une femme née musulmane, croyante encore. On a beaucoup crié sur Bala Samoura ici. Particulièrement moi, je ne parle pas les autres personnes. J'ai beaucoup crié sur Bala Samoura. Je l'ai beaucoup critiqué ici. Je l'ai beaucoup critiqué. Mais là où je suis aujourd'hui, je suis en gêne. Alhamdoulilah Rabbil Alamina. C'est le mois de Ramadan. C'est le mois de Karim. Je ne fais que présenter mes excuses à Bala Samoura. Il n'a reçu que l'ordre de Mamadi Doumbouya d'arrestation de mes frères. Bala Samoura n'a mis son, la trace de sa main sur le dossier, ni son nom dans le dossier. Qui est le plaignant? Mamadi même n'a pas signé l'arrestation de mes frères. Donc, je présente toutes mes excuses à Bala Samoura. Parce que moi, je suis une musulmane. Je suis née de mère et père. Je suis née musulmane. Encore, je suis croyante. C'est ce que j'ai dit à Bala Samoura aussi. Il a fait des bêtises. Oui, je le sais. Il s'est déplacé pour aller réveiller les enfants. Mais la manière dont moi, je les ai attaqués, que c'est lui qui s'imposait à ce que les détenus séquestrés là restent à la maison centrale sans sortir, c'est pas Bala Samoura. C'est Mamadi et Charles Wright. Il faut qu'on mette tout le monde à sa place devant leurs faits. Bala Samoura n'a rien à voir dans leur arrestation. Bala Samoura a juste reçu l'ordre pour le faire. Mais lui, il n'a rien fait dedans. Donc, tous ceux qui ont crié sur Bala Samoura, moi, j'ai présenté mes excuses. Il a fait des erreurs que j'ai déclarées en partant la nuit réveiller les détenus.
Ça, il n'a pas droit. Mais qui lui a donné l'ordre d'aller faire ça aussi, c'est Mamadi Doumbouya. Pour que les détenus signent, on a volé, oui, on demande pardon. Bala Samora ne fait rien sans l'ordre de Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya qui lui a donné l'ordre. Donc, quiconque insulte Bala Samora, quiconque a un autre problème caché contre Bala Samora, sortez clairement et attaquez Bala Samora avec votre problème. Mais à cause de mes frères là, tout ce que Bala fait, c'est pas lui, c'est Mamadi Doumbouya. Refus de faire les appels deux fois de Charles Wright, c'est Mamadi Doumbouya. Raison pour laquelle je demande à Charles Wright de tirer la leçon, de regarder aujourd'hui là où l'ex-premier ministre et là où l'ex-ministre de la Défense sont aujourd'hui. Donc il doit tirer la leçon. Charles Wright, oui. Si la juge a fait le jugement, Charles Wright doit exécuter. Et Chaga Kamara, salam alaikum. Maraba. Tamora. Donc c'est ça. Nanda Guérambi, bon, je vais toucher un peu le cas du professeur Alpha Condé. J'ai écouté fils Damaru hier. Il était tellement sur ses nerfs. Bon. Mais il n'a pas saisi la manigance réellement. Comment ça s'est passé? Quand le professeur Alpha Condé sortait de la Guinée, la CEDEAO et les associations qui ont demandé à ce que Mamadi donne Alpha Condé pour aller se soigner. Ils ont dit quoi, Alpha Condé? De se retirer toutes les affaires de la Guinée, de se retirer de la politique guinéenne, de se retirer tout. Comme Blaise Compaoré est assis en Côte d'Ivoire, il ne parle pas, mais il fait la pagaille. Voilà. Donc Alpha Condé est sorti. Une fois, vous m'avez entendu sur une de mes vidéos. J'ai dit, Alpha, il faut dire Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Tu es sorti de la Guinée. Tu es en convalescence. On t'a arrêté. Mamadi t'a humilié en Guinée. Mais ce que je demande au professeur Alpha Condé, retire-toi de tout l'affaire politique. Il y en a parmi vous qui peut se souvenir de ma vidéo là. Ça y est là-bas, je vais faire tout pour rebalancer encore. Le moment là, quand je parlais ça, les gens n'ont pas compris pourquoi je parlais ça dans ma vidéo. Ce jour-là, je me souviens, j'étais dans les rues. Je partais au travail. Ça n'a pas pris 3 jours. On a entendu un cri à Conakry, soi-disant que c'est Alpha même qui a envoyé le papier à ce que l'ex-premier ministre Elhadji Ibrahim Kassori soit à la tête du RPG. Après le cri là, je suis ressorti encore. J'ai lancé un petit message au professeur Alpha Condé. J'ai dit, professeur Alpha Condé, il ne faut jamais associer avec CNRD. Retirez-vous de la politique guinéenne. Retirez-vous de tout problème de la Guinée. Restez là-bas comme en convalescence. Il n'a pas entendu. Le jour que le professeur Alpha Condé a fait l'audio, j'ai pris l'audio, j'ai écrit en haut avant de balancer. J'ai dit c'est professeur Alpha Condé même qui parle. Mais ça discutait ici, ça discutait par là, par ci, par là. Il y en a qui disaient non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Jusqu'à ce que oncle Jibril Hadji a démenti la vidéo. J'ai dit il ne le fallait pas. Parce que moi, je savais, avant que l'audio quitte
en Émirats pour la Guinée. Je le savais et je donnais des signes de conseil. Le professeur Alpha Condé n'a pas compris. L'arrestation du premier, de l'ex-premier ministre, ne vient pas de rien. Ne vient pas de rien. Le premier jour, quand il est parti à l'investigation, il s'est retrouvé, on ne nous a rien dit. Ça nous a prouvé qu'il est clair comme la neige. Maintenant, pourquoi la deuxième fois, le jour qu'ils ont mis l'ex-premier ministre à la tête de l'RPG, provisoirement, je vais vous dire la cause réelle même pourquoi Mamadi Doumbouya a engagé l'arrestation contre les dignitaires. Parce que Alaï Kassoro Fofana a prononcé deux mots. Là où il a dit, je m'adresse ce message-là à la CNRD, de respecter la loi et la démocratie et respecter notre constitution. C'est là-bas. L'arrestation de l'ex-premier ministre sort de là-bas. Ce que je dis comme ça, Mamadi Doumbouya connaît. Je n'ai pas poussé mes études tellement loin comme les universitaires, mais ce qui se passe dans mon pays, je fouille. C'est pour cela que moi, je fais tout avec la patience dilatoire. Oui. Le premier ministre, ex-premier ministre, on ne pouvait pas l'envoyer là-bas seul. Il fallait qu'on l'envoie là-bas avec un mix forestier, avec un malinké ou deux malinkés pour ne pas que ça éclate à Conakry. Parce que Mamadi a instauré l'ethnocentrisme en Guinée, a dépassé même Mamadi Doumbouya. La justice est là. La justice, c'est en Guinée. La justice guinéenne fait leur travail. Ousmane Niélé n'a pas été libéré. Il a été libéré. Qui a bloqué? Colonel Alpha Mamadou Barry. Il a été libéré. Qui l'a bloqué? Il faut qu'on félicite la justice guinéenne. Moi, je suis une croyante. Il faut qu'on félicite la justice guinéenne. Malgré tout, mais ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu froid aux yeux de trancher les jugements comme il le faut, comme Dieu le veut. Il y a la justice qui fonctionne très bien en Guinée. Mais qui vient après tout et piétiner, c'est Mamadi Doumbouya et ce Charles Wright. C'est les deux. Mais ils n'ont qu'à comprendre qu'un jour, personne n'a pensé que Elhadj Ibrahim Kassori et Mamadi Diané allaient passer une nuit ou deux nuits à la maison centrale. Ça, c'est une grande leçon pour toute la nation guinéenne. Maintenant, pourquoi le retour du professeur Alpha Condé, quand on lui a dit de retirer tout, de se retirer tout de la situation guinéenne, sociopolitique, Alpha Condé s'est battu. Non, il n'a pas fait. Alpha Condé a fait l'audio là. Le jour même qu'il a fait l'audio, nous, particulièrement moi, j'étais au courant. J'étais au courant. Et quand l'audio est sorti, l'audio là, ce n'est pas 3 minutes seulement. Ils doivent demander à son médecin Mbemba Kaba. Pourquoi le reste de l'audio n'est pas sorti? Pourquoi le reste de l'audio reste toujours bloqué? D'un, là où Mamadi a violé la loi. C'est une démarche qui a fait qu'Alpha Condé a quitté en Guinée pour aller se soigner. Si ces deux gardes-corps se sont retournés, son médecin s'est retourné. Il devait faire quoi? Il devait faire une déclaration à Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Après, Mamadi Doumbouya fait compte à la nation guinéenne. Mais ça n'a pas eu lieu.
Parce que Mamadi Doumbouya le sait, il connaît le danger de ça. S'il fait ça, il ne pouvait pas aujourd'hui arrêter les anciens dignitaires sans inculper professeur Alpha Condé. Maintenant, nous sommes là. Professeur Alpha Condé est rentré. Mamadi. Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne. Comme tu as accusé mes frères, à cause de l'argent, une petite somme que toi-même tu as donnée lors, pendant que les deux coffres-forts étaient pleins des devises de la, d'euros et de choses en dollars, avec deux montres qui coûtent 250 000 dollars, 250 000 dollars. Où sont les trucs là? Pourtant, on t'a tout donné. Tu as tout reconnu. Où sont partis l'argent là? Les devises pleines dans les deux coffres-forts de la chambre de Alpha Condé. Où sont partis? On parle de 30 millions, 30 millions. Les 30 millions là, j'ai dit aux Guinéens, toute la nation a écouté. Les 30 millions là viennent de l'Arabie. Ils ont donné ça cadeau au professeur Alpha Condé pour ses soins. Les Arabes ont l'habitude de faire ça pour feu président Ahmed Sékou Touré. Ils ont l'habitude de faire pour feu président Lassana Conté. Ce n'est pas sur Alpha Condé seulement qu'ils ont commencé. Et puis, l'Arabie fait ça pour beaucoup de présidents africains. Ils le font. Les 30 millions, la raison pour laquelle moi je suis sorti, j'ai éclairci. J'ai dit, les 30 millions là ne viennent pas de notre trésor, ni de notre mine. Les 30 millions là, il faut appeler le chien par son nom. Le 30 millions là est venu dans une mallette, couleur comme marron. Ils ont donné ça au professeur Alpha Condé. Ça, c'est un don. Maintenant, l'argent qui était dans les deux coffres-forts, dans sa maison, qu'ils ont pris et remettre à Mamadi Doumbouya. Lui-même, il a reconnu dans une de ses réunions de cabinet face à dizaines de personnes, Mamadi a reconnu qu'il a tout reçu, qu'il a mis au trésor. Mamadi Doumbouya, maintenant, où sont les quittanciers de ça? Les deux coffres-forts vidés, pleins d'euros, deux montres à 500 000 dollars, 250 000 dollars, 250 000 dollars, et diamants, et dollars et euros. Où sont l'argent là? Moi, je ne parle plus des 30 millions d'euros parce que moi, j'ai éclairci ça pour la nation guinéenne. Maintenant, les pleins devises des deux coffres-forts qu'on t'a remis, que tu as reconnu face à une de tes réunions de cabinet devant plus de dizaines de personnes. Où est le contentieux que tu as mis à la trésor? Mamadi Doumbouya, je te pose la question. Il faut faire sortir. Maintenant, Alpha Condé est en Guinée. Au lieu d'arrêter les ministres, les directeurs, il faut inculper maintenant Alpha Condé. Lui aussi, il va tendre sa main de te demander ces 30 millions d'euros. Encore, le plein d'argent dans les deux coffres-forts, diamants et les deux montres, 500 000 dollars, les deux. Alpha va dire, il y avait combien d'argent dedans? Parce que nous, j'ai dit ça, ça fait longtemps, nous, on a le film de tout ce qui s'est passé à Sékou Touré. Mamadi Doumbouya, il y a des jeunes qui tombaient dans leur sang vers Koundara, qui couraient comme ça, main libre, qui ne tenaient pas l'arme ni rien. Qui tirait sur ces jeunes-là? Tu as assisté à l'enterrement des 138 cadavres, des 138 morts sous le coup d'État du 5 septembre l'an 2021. Tu as assisté. Maintenant, quand vous avez appris la voix d'Alpha Condé, tu as détaché Saliba Koulibaly et le premier ministre Béa. Parce qu'il y a l'affaire, c'est business. Emirates a son business là-bas. Et c'est Khawa Beyavogui qui a la tête là-bas, la fille du premier ministre, qui a la mine là-bas à Gak.
Pour ne pas menacer leur intérêt, tu as détaché trois personnes, deux personnes plus que Sadiba Koulibaly, qui remplace maintenant Namori Traoré, qui sont allés avec des vidéos de beaucoup de choses, de beaucoup de Guinéens communicants. Raison pour laquelle quand la CEDEAO a écouté l'audio, avant que, Sadiba Koulibaly se détache avec Beyavougi et qui encore pour aller en Émirats. La CEDEAO était convaincue. Personne ne peut défendre Alpha Condé maintenant. Personne ne peut le défendre maintenant parce qu'on lui a dit de s'exclure de tout problème de la Guinée. Rester comme convalescence. Mais il n'a pas fait. Raison pour laquelle vous êtes allé prendre Alpha Condé là-bas en montrant toutes les preuves aux Arabes Émirats que vous êtes menacé en Guinée. Mais vous, vous avez retourné Alpha Condé pour le prendre comme bouclier. Pour le prendre comme votre bouclier. Oui. Nga kerenye ife nan dangere mono ma wonna ko ya de soso wi parce que son wari fo lo ne mon de parasite quoi donc ni mo fura mai saka ni me alhamdullah musu ni be nya bu ma fara to dongo nan na mon de parasite ne be non son wari hali parce que son wari tali me ki sundi aha kira wi ande na na furugere birara ande na boy makane birara ande na son wari ni fe bare ya ko si furi khare birara ande pali c'est ce que je sundi dire parce que sundi kili madama ra kamena nga fira donc on a loubi ni fambo ni na ki nta nang bi dan je na ki ne na ki na da donc yidi me na his na geli allo wona me bala sa murare ki na re a transition mulu a respecter ma transition mulu a kulum e mare nyere ma transition ordonnant kulum mamadi dumbu ya na ordu fi Baba Ali Saha Kone Kipi, commandant Ali Kamara, Anakli Gesegi, Nanakili 7 heures à rassouvertement Nagura Mafa, à Amasara, Anakafa, à Tofa, et Nakili gendarmerie Biring Antouri, Anakafa et Numbala Samura Rafi Burutu, Yarebar Tupu Tanta Monte, et Fafi, Yarefa commandant Ali arrêté, arrêté. Yu commandant Ali Kiring arrêté fait, gendarmerie Picop Yirina Rabidin Naloué. Parce que Mamadi Akolo, Ali commandant, commandant Baba Ali, Akolo, Akolo. Donc, on a quoi? Et bien, Ali Rani, était auditionnaire, étant auditionné, il n'y a pas de faire, il était là, ou les nara. Comme c'est rien, il m'a auditionné. Gendarmerie, il m'a auditionné. E sinya mane fala ko inare mo ko mane na sinya kal virgule ma sa ma ko ma ba mara me na ge e sinya mane commandant ali bel ko ko mama agent chef mori hawa kamara bel ko ko mama wa ko lum manana mawule montiri nan ara ala ko hadi mi rasu geli nanan la gine ki na re na fala aluwa muna la gine wo ngawo ngakalu mbure be luwa na la gine Ousmane ñe lu xakiti saxane na fi xera xamini sa ñenan tama ayo justice xakiti ra ba fa fanyira mamadi na shanu right ra fa ma asanyiti fe birima na fa sacrifier na ratu colonel mamadu alfa xakiti saxane dunia bi ratu atana manna na ku inaki xakiti ñongo feu ousmane ñe lu xakiti ñongo feu gimi ko fu sori mi ko fu na re na geli mamadi dumbu ya ku de ta tura batana fala ye ba bala khay man ko bi di touché a 40 millions sa bili bala khay akunja a sa ska tapis bala khay a tungu a sa siliki traoure bala khay atana fi khay bili ma atam mamadi dumbu ya men na dimi coffre fort tan na bi de commandant ali kamara mun nana amura ba yakuri amun nana tellement que wule ma khri khira sa khuma ali mu bere me ma mu drogue me ma mu yembe me ma cigarette ma me ma commandant ali kamara
am bere mi mamu yembe mi mamu cigarette mi a cigarette ina wala ke kulum mama da kulum force spécial bi da kulum ina biri wude sebari l'ordinateur sebara na bara alpha konde ordinateur tungu alpha konde ordinateur clean ama ntangete ya ti ordinateur clean ama ananyira mhm mais simple tout ama bi hal di medo ngure mota amerique bi clean yiri ha computer ha fera pe mose na clean na ngano ngo para fara na vo chef d'état ibansa no ule nada eno masega de best buy bi clean na na yiri bi essa le se ordinateur se na no ordinateur kana clean eno ordinateur do ko lude se ga yiri bete es ira clean soti e wa se na ambirin to fe yato clean ke na na ma donc na birin wule sa ga ne commanda li umma ana ordinateur to ko na ga wu to ko coup d'état lo way ali ga wu to mu fa na lo way ali commanda li kamara ga wu to mu fa wule na la wule tege tege ri justice na la Guinée mais ri mu fa ne ga cercle ga kui imma mali lu mu ya ga cercle ga kui ou bien ga manin ker ni tanna mais manin ke tu re mu ni ga cercle kui justice ala mo tan ga lu geli mais il finit sur cela, il finit foulera, il finit forestera, il finit maninquera. Il n'y a cercle qui est un mousse comme guéri. Maman dit l'eau en un sac à la Guinée. Mais il y a la justice et je félicite la justice militaire guinéenne. Je félicite la justice civile aussi de la Guinée. Il faut leur travail. Nous, les blogueurs et blogueuses, il faut qu'on les respecte. Et justice créée. Naham Murabafi, alors il m'a massacré camarade à Guéli tout. Ça fait combien de jours Charles Wright est en prison ou non à Radangi de justice? Pour quelle raison? Ça dépend de toi. Marmasri est en justice jusque-là, elle est à la sûreté jusque-là. Combien de jours, combien de semaines elle n'a pas passé à la justice? Parce que mon aura cercle de couilles. Nanara, il m'a dit que je gueule. Aluna, il m'a dit que je suis passé. Parce que les anciens dignitaires, on a coulé, on a mérité, on a rabiré, on a fait la main. On a tout ça, on a gueule. On a bien retenu, on a refait la justice. On a tout gueule, lui, il m'a dit. On a tout gueule, il m'a dit. On a ouï battre les guerres. Mamadi Doumbouya a dit mais monsieur on a eu sa guerre. Alors attention dignitaire et femme monsieur fait canne sa guerre. Après quoi bien n'a pas baillé ira crier et n'a rien clé. Est-ce que quoi bien baillera ministre directeur et anagé a mané tunga et sa sous contrôle judiciaire. Iyon mais Allah est casse le fofana ouais n'a rien tant falari a fait la faire CNRD. Ha démocratie respectée et manga au magistrice fan au ma constitution respectée mamadi doumbouya yi xana ga jeli na fi nam jani is ga ne pour colorer yo jani is ga na nam sino jani leader mara et je crains pour sa santé il ga o ma aussi pi na lo ayi xana mama afala fa na climatiseur na bon non c'est pas une bonne condition. A qui n'a rien ouah manaki. Mais non, ma farade ouïra. Non, ma farade ouïra. Alintan m'yako inara, ma khane mageli. Ma khane mageli. Combien de temps? Alfa sa ba mangaya. Et d'or, il n'ira bangé. Et ra passeport et bayi. Et n'ira bangé. Et ra compte bloqué. Mais n'ira bangé, barende to minanara. Et nana. Il faut qu'il me ya mon fera. Gibirin pour mener la pagaille en Guinée alors qu'à rara 4 ans naba a manga ge a hay leader ibir maso a hay sa geli a wawany leader Ibrahima Kalil Kaba ou Sia Kabari nam ko firini a kere ndo wongo mais c'est là-bas Mamadi que tu vas inviter une guerre civile en Guinée si tu ne fais pas attention. Je t'avertis et ça ne marchera pas. Ribara Kassori Sourou, le professeur Alpha Condé est en Guinée. Il faut, tu as arrêté Kassori Fofana, tu as arrêté Mamadi Diané.
Mohamed Gani, il faut inculper rapidement professeur Alpha Condé aussi. Tu vas voir, nous allons voir. Si tu es là à nettoyer la Guinée, il faut inculper Alpha Condé rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Toi, tu as vidé. Il y a eu combien d'allers-retours en guette privée pour déposer l'argent qui est pris dans la chambre d'Alpha Condé? Guette privée a fait combien de voyages? Tous les numéros de compte sont repérés par les Américains. Mamadi, n'oublie pas, l'économie parapluie du monde entier, c'est nous, les Américains. C'est les Américains. Tout sera bloqué. Il faut tout faire. Mais on te regarde, même si tu mets sous la terre, tu mets dans les chambres, la caméra est sur vous. Qui faire transférer l'argent, tout est connu. Les deux numéros de compte, tout est connu. La manière dont l'argent a été viré, on connaît tout. On connaît tout, mon mari Rumbuya. Donc, il faut que je dis dans la fille, et mon homme a eu un rôle, il a eu un rôle, et moi, ça a eu un rôle. Alpha Condé n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Amérique B, mais refaire B. N'arrive pas là, mais on a qu'à se défendre. Hey, moi dans la nyamane, on a comme masari, nyamane, on a bira. Et na kaka li me refaire, na kam me risura konna kaba B. Faut me réminer au mafala. Avocat, ton gomme na ba au mafala. Sari, on a un fakulu, halu ma kui, kaba ma kui. Mais au moment où on a regardé, me ré déma. N'arrive pas là, mais na a, il a défendu qui. Donnez à ce gamin qui ne il défend ni non cola. Baskil doko na kine bori te bori guru aniya mana kine mumbe mugam khiyo defandu me mugati kanke en nahanna ba nahanna duniya ga kulungi so nyinara duniya ga kulungi so nyimara allon to ma komba victoire so to pour les 10 séquestrés na fala ne ube mu yati mira na ham fala ke ko ngule nara to abara makene Kedi mfama na bili bogonde kedi e Facebook ma. Ufama kulundi Mamadi Doumbouya est un homme traître. Mamadi Doumbouya est un voleur. Mamadi Doumbouya est un drogué. Mamadi Doumbouya est un assassin. Mamadi Doumbouya est un menteur. Moi, il ne peut pas m'influencer. Un couple qui prenait 2400 euros par mois, qui est enrichi aujourd'hui, qui est millionnaire en euros et en dollars, qui a otagé aujourd'hui notre pays, la Guinée, met à la disposition des vendeurs de drogue. Il y a eu combien de jours, avant-hier ou quel jour, il y a un bateau qui était garé là-bas, on a capturé la photo, j'ai tout exposé avec le numéro du bateau. Maman dit, moi, tu peux influencer tout le monde, sauf moi, Radia Maïmouna, tous les comptes. Moi, je suis compté encore l'ambassade Tamura. Moi, tu ne peux pas m'influencer. Tu n'es rien devant moi depuis que j'ai commencé ce combat-là pour mes 10 frères séquestrés. Je t'ai dit que tu ne connais rien. D'ailleurs, tu n'as même pas été retraité. Tu as été limogé de ton travail, l'isonel, parce qu'ils ont retrouvé la drogue dans ton sang. Avec les examens physiques. On t'a jeté. Tu as été rejeté dedans. Tu n'as pas été retraité. Non. Tu as été rejeté pour la cause de drogue dans ton sang. Maintenant, l'argent que le guet privé transporte, où tu as pris l'argent là? Les primes de choses, des forces spéciales que Alpha Condé te donnait. Tu n'as rien donné, tu n'as jamais donné les primes des forces spéciales. Tu n'as jamais donné. Pendant que toi, tu construis en Guinée 12 millions, 13 millions, 14 millions d'étages. Où l'argent là vient? On se dit la vérité.
Il faut être croyant que Dieu est le seul puissant. Avoir encore peur que hier c'était vendredi, aujourd'hui samedi, demain sera dimanche. Tout ce que tu mets sur les Guinéens comme ça, comme l'accusation, comme torture, comme séquestre, Mamadi, Dieu va retourner tout ça là sur ta tête. Inch'Allah. Allah m'a ramé à Kémini. Il sera un rampama. Mandourou sera un. A Karamo Wali. A Shaitan Wali. Allah a bien une fitoire du Sion Balaoura. Allah a dit que c'est la Guinée. Il sera un rampama. Il sera un rampama. Il sera un rampama. Il sera un rampama. Il Allah ne sait pas ce qu'il y a. Il n'y a pas de la vie de la vie. Il n'y a pas de la vie de la vie. Maman dit, si tu n'as pas de la vie de Facebook, tu n'as pas de la vie. Mais c'est ton mari qui est là. Il n'y a pas de la vie de la vie. Il n'y a pas de la vie de la vie. Il n'y a pas de la vie de la vie. Il n'y a pas de la vie de la vie. Il n'y a pas de la vie de la vie. Khayib belgana sanyina alayila nakam falafiki non dina rabbi aqiya yini Allah yi sugugu imasi mubay fisi mukuma ya rabbi ya rabana Allah yi sugugu imasi mubay di fisi mukukiri nyima Allah mouni khirikitu sahi fisi mukuma fisi mukarati France 24 BBC TV 5 Allah yi biri imasi mamadi Nsungu neke na nyaka selo masama marigi bekhafira. Nisuma marigi ira. Alaka kuyende bera. Inga fabra kasa kuma kunyesu kum. Ana ya kago haya mayamuna tulle tunafara mambenga lu. Madiha lu. Ya katu umdi mani. Mkira wa. Mkito nyege. Gini mkira yarabi. Jibokwe kui. Alaka yisu kwa yarabi na mkubela kwa mama didumbuya. Alaka yisu to. Ya Rabbi ya Rabbana ntamukuye batuma nala nangalema mara fala u benaka ntam parigine findi biri minyirano u bienga mbaba findi biri minyira ntam mutima magina sio nyawe men lam barikira manden gani ya alafina ma na qur'ana nan kharamma nana sebe man nana fasarima nala kire ni han kuntu filin nana ngalema Mbana ala kiri nye naka nkhilkhima. Mama di, ala gana ala kiri nye suku. E rabi la mungu sabu. Ala kakuyen de bera. Unumari ndesu ira mama di. Isaka fese bukuma. Alu dunia ala fatu kina gaitara ya rabi. Ala kibe mga kuna be. Ya rabi ya rabana.